Yacoubi Dibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo dégustation assez spéciale, donc si la suite t'intéresse, continue. Donc en quoi cette vidéo dégustation est différente des autres? Tout simplement parce que ce n'est pas moi qui ai acheté ces produits, mais certains abonnés. Donc c'est à dire qu'en fait lors de deux courriers d'abonnés que j'ai reçus il y a peu, j'avais de la nourriture du coup. Et tout simplement du coup dans cette vidéo là, on va tester les fameux bonbons que m'ont offert mes abonnés. Et on va voir du coup s'ils essayent de me tuer ou pas. Voilà. Donc on va avoir d'abord ces petits bonbons Bubble Candy Energy Drink. Donc voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc je mettrai le lien si j'ai posté d'ici là la vidéo du couverture de ce colis là. Pour que tu puisses voir du coup tout simplement le colis en soi. Et je pense que c'est une pastille un peu voilà comme les médicaments et qui font et qui pétillent et qui te réveillent. C'est plutôt pas mal parce que ce soir je ne dois pas prendre mon médoc à l'heure donc. C'est trop bon. Oh merci de m'avoir envoyé ça parce que c'est un truc que j'aime trop. Désolée je mets la main devant la bouche parce que... Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle alors qu'il y a de la nourriture, donc... Oh, c'est trop bon, ça. Voilà. Je suis désolée, je suis obligée de vous parler en même temps parce que faut que je vous décrive en même temps ce qui se passe. Donc, ça va être comme les bonbons, en fait, des avoir, où ça va d'abord mousser. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore quand ça mousse, quand tu sens vraiment qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de ta bouche, en fait. C'est pas juste le bonbon. Donc du coup en ce qui concerne ce bonbon comme je te l'ai dit c'est comme une pastille du coup à médoc. D'abord ça va être du coup une sorte de mousse crémeuse. Et après une fois que la mousse est passée ou que tu croques, ça va avoir un côté très piquant. Comme les bonbons qui piquent tout simplement. Et ça c'est un truc que j'adore énormément dans les bonbons. C'est ceci. Donc c'est je pense à qui t'as préparé soi-même mais c'est juste des bonbons à coller l'un sur l'autre j'ai l'impression pour faire des sushis. Donc voilà. Donc on a vraiment comme un kit pour faire des sushis, donc là on a comme le riz. Et là on va avoir du coup des trucs différents pour faire le sushi. Donc par contre il y a des formes, là il y a une patte de chat, hein. Je dis ça je dis rien, il y a une patte de chat, il y a un truc, là il y a carrément un nœud à la Hello Kitty. Enfin bon, ça me fait rire ce genre de choses. Donc, par contre ça c'est un truc méga gluant, voilà ils sont, la partie qui est censée faire le riz elle est toute collée entre elles donc... Ce que je vais faire, c'est d'abord en couper un qui est censé être le riz, les goûter séparément et après les goûter ensemble. Alors c'est un bonbon très gluant comme les anciens schtroumpfs. Un peu plus gluant quand même. Ça n'a pas trop de goût pour la partie riz. On va être sur la partie du coup jaune. Ah, il y a un peu plus de goût, un goût citronné, je dirais. Donc le rose, on va dire que c'est à la fraîche, je suppose. Le jaune il est bon parce que j'aime bien les bonbons jaunes justement. Moi dans les bonbons il y en avait qui parlaient une fois dans une vidéo sur les dragibus ou les bonbons tout court qui disaient qu'ils aimaient pas les bonbons bleus. Moi c'est les bonbons noirs et les bonbons blancs dans les dragibus que je n'aime pas et même les ours ou les trucs comme ça je n'aime pas. Ouais c'est plus en... comme les petits nounours en fait. C'est vraiment comme les nounours gluants là, c'est exactement les mêmes goûts, donc je pourrais pas vraiment vous dire plus, mais voilà. Alors moi, parce qu'il y en a des gens qui sont assez stupides, je le dis comme ça, pour dire que justement si tu n'aimes pas les bonbons noirs, c'était raciste. Moi je suis raciste de quoi en fait, parce que je suis raciste des blancs et des noirs en même temps, mais je préfère les couleurs. Voilà. Donc j'ai fait un sushi jaune et blanc, donc riz et jaune. En fait, ça se décolle directement dans la bouche, donc je suis en train d'essayer de les recoller pour les croquer ensemble. C'est sympa, mais voilà, ça, je vois pas de différence en fait, parce que forcément, ils se décollent aussitôt. Faut que j'essaie de les croquer ensemble. C'est tellement gluant le truc que ça reste dans le packaging, quoi. Limite, de tout, tu laisses là par terre 2 secondes, t'as la poussière qui va se coller, quoi. Donc voilà, cette fois-ci on le voit un peu plus. Un sushi du coup rouge. Ouais. C'est bon parce que voilà, c'est comme les petits nounours. Et moi les petits nounours, j'aime bien ça. On continue du coup avec des mochis
Alors ça c'est les vrais. Enfin, parce que moi j'en ai eu des mochi, mais c'était des bonbons en fait. J'en ai jamais testé ceux-là, j'ai testé une fois les bonbons. Et voilà. J'aurais dû prendre les ciseaux, je crois. Me revoici du coup avec mes petits ciseaux. Donc si tu vois que je vais un tout petit peu plus vite, c'est tout simplement que je viens de voir qu'il me restait que 8 minutes sur ma vidéo. Il y en a encore deux trucs à tester. Donc déjà, on sent vraiment la fraise. Alors après, je sais que c'est très farineux et très gluant. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir dans le petit i. Je vous aurais mis un sondage pour savoir si vous préférez, vous, les bonbons qui piquent ou les bonbons gluants. Voilà. Tout simplement. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Je vais essayer de te montrer ça correctement. Et normalement, à l'intérieur, il y a un cœur coulant. Alors, je vais essayer de croquer. Alors c'est plutôt sympa, mais moi j'aime pas, parce que déjà j'aime pas le côté farineux qu'il y a dessus. Alors je sais pas si c'est vraiment de la farine, j'ai un petit doute, mais je n'aime pas ce côté en fait poudreux. Pareil les chocolats truffes, il y a la poudre de chocolat comme ça par dessus, je n'aime pas ça. Donc voilà, le côté gluant en soi ne me dérange pas, j'essaie de goûter toute la partie au milieu. C'est cette partie là où j'ai du mal. Je vais goûter tout en fait séparé pour voir ce que je préfère. Voilà, donc là j'ai un peu de rose. La partie rose n'est pas dégueu. On va goûter le jaune maintenant. Ouais, je suis pas fan du tout. Alors ce que je vais pas aimer, le rose, en fait, ça va au niveau du goût. Ce que je n'aime pas dans le jaune, c'est que ça a un aspect très mousseux et trop, en fait. Un peu comme, j'ai envie de dire, à la limite de la chantilly, mais je ne mange pas spécialement de la chantilly, donc je ne pourrais pas être sûre. Mais voilà, regarde, j'en ai plein sur les doigts, ça me dégoûte. Et la partie au centre, rien qu'à couleur, me dégoûte. Et j'aime pas du tout, du tout. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésite pas du coup à me dire si tu veux que je recommence à faire des vidéos comme ça. Ou c'est pas de moi-même que j'ai pris cette nourriture, que ce sont par exemple des abonnés. Ou d'ailleurs, j'envisage de faire ce qu'on dit ça, en fait, qu'on fait une commande. Il nous glisse toujours un petit truc à manger ou alors un petit goodies. Du coup, j'envisage de garder pas mal de trucs comme ça de mes commandes Candysan, les mettre de côté et voir ce que Candysan m'a envoyé, si justement le site Candysan essaie de m'assassiner ou il me propose du coup des choses très intéressantes au niveau des goûts ou pas. Voilà, sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve, j'espère, très vite pour une nouvelle vidéo dégustation. Sur ce, à bientôt.